Alors, une pépite. Alors, nous sommes dans un rasso spécial américaine. Donc là, tout âge confondu sans aucun problème. Et vous voyez, il y a pas mal de monde. C'est sur un parking de centre commercial. Et qui est nickel. Et du coup, bah, on a de la place pour se voir entre nous. Vous voyez, des voitures qui arrivent à tout moment. Des voitures qu'on ne voit presque plus sur les routes. Voilà. Donc je dirais que c'est un rendez-vous pour les grands enfants. Parce qu'il n'y a que la taille des jouets qui change. Voilà. Donc où les anciennes et les nouvelles se partagent. Le parking, vous voyez, il y a vraiment de tout. Voilà, c'est pas un truc sectaire. Parce que des fois, ils demandent juste un certain type de véhicule. Et là, vous voyez, c'est pas le cas. Là, ici, on a un petit club qui s'est mis donc ensemble. Donc, la même génération de Mustang. Voilà. Nous, ils sommes présents ici avec la Polizei qui commence à être connue. Puis à côté, il y a deux petites Allemandes là, dont la petite Porsche. Et ben voilà, une Cadillac. Hein. Elle est énervée celle-là. Voilà, donc des voitures ultra longues, vous voyez, hein, des passionnés qui prennent des photos, des vidéos. Il y a vraiment de tout. Voilà. La Pontiac, Chevrolet, la Ford. Il y a même de la Willys. Voilà, Chrysler aussi qui est là. Voilà, cabriolet classique. Ah, ça a l'air d'être une Cobra. Voilà. Donc ici après on a les gros monstres. Des Dodge. Il y a vraiment de... Là, c'est vraiment les gros trucs Mustang. Là, il y a énormément de Mustang. Voilà. Voilà. Une Dodge Challenger énervée aussi. Alors après, il y a un petit coin sur les motos. Donc des récentes et des moins récentes. Il y a vraiment de tout type et style, hein, des personnalisés et pas. Il y a vraiment tous les looks, pour tous les goûts. Alors, l'avantage de ces motos-là, c'est qu'elles sont hyper basses pour s'asseoir. Et du coup, quand on s'arrête, eh ben, c'est difficile de perdre l'équilibre. Ça, c'est bien. Alors quelques-unes qui sont pas américaines et qui sont acceptées, hein, qui sont juste à côté, en fait elles sont un petit peu séparées. Et puis là on a
donc l'unique trike aujourd'hui qui est là. Voilà. Donc c'est une Harley Trike. Donc après on a ici encore notre moto personnalisée. Donc au niveau des dessins, regardez, c'est hyper discret. Hein. Faut vraiment se rapprocher pour voir hein, ce qui se passe. Voilà. Donc vraiment personnalisé. Vous voyez. Vraiment bien. Hein. Bien fait la peinture. Ah. Et puis ici il y en a d'autres. Voilà.